Yop tout le monde les gens, c'est RageGhost, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera un petit gameplay, ou un gros gameplay. Ce sera ma première double DNA bombe. Et oui, ma première, je vous dis pas plus si j'en ai fait d'autres ou pas, ce sera la surprise. En tout cas, j'ai décidé de vous mettre ce gameplay là dans ma semaine DNA. Parce que je pense que ça va vous faire en tout cas super plaisir de voir une double DNA sur ma chaîne. Peut-être la première, ça vous fera peut-être repenser au bon moment sur mes double DNA de Call of Duty Ghost. Donc voilà, donc pour le gameplay. Donc pour le gameplay je peux préciser un peu plus. Donc j'étais en domination 6v6, donc l'arme à SM1 comme j'ai dit, sur la map Solar. Donc voilà, nous c'est un peu, ouais, je crois que c'est tout. Donc j'ai vraiment rushé en plein milieu de la map et tout pour chercher les kills, j'ai vraiment couru de partout. Je pense que ce gameplay, bah il va vraiment vous plaire parce que c'est vraiment un gameplay de malade. Vous allez le voir de toute façon à la suite de la vidéo. Donc je pense que je vous couperai juste les parties où j'ai fait les DNA, genre la série DNA de la première, la première série DNA et la deuxième série DNA. Donc voilà, donc je vous dis direct, restez jusqu'à la fin, c'est pas du tout fail les gars. C'est vraiment deux DNA quoi, voilà, vous allez voir. Je vais même avoir le temps de les lancer. Donc je crois que je vais finir sur un 73-2 ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus du tout du score. Mais c'est un super score je crois à la fin. Donc voilà, on va enchaîner directement sur le sujet de commentary. Donc le sujet de commentary sera porté sur un truc qui va vous faire peut-être peur, je sais pas. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que le jour de Noël et pendant la suite de Noël, pendant les vacances, le Lizard Squad, donc le Lizard Squad c'est quoi? C'est un groupe de hackers. Un groupe de hackers qui ont déjà hacké le PSN et qui plusieurs fois même. Et donc ils ont prévu de recommencer à nouveau le jour de Noël et pendant la suite des vacances de Noël. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est juste un avertissement pour vous dire que si vous n'arrivez pas à vous connecter au PSN, que ce sera peut-être eux. Et donc pour la petite histoire, en fait, ils voulaient rehacker le PSN pour pouvoir effacer les données des cartes bleues, donc ou les cartes bancaires tout court. Donc un conseil les gars, c'est vraiment important, enlevez vite en priorité votre carte bancaire du PSN. C'est super important. Si vous voulez pas que vos données se retrouvent à zéro, et ben ça veut dire que vos parents et tout soient sur rouge et tout, vous avez des gros problèmes en tout cas. Même ce serait Sony qui serait responsable, enlevez-les vite. Donc pour les enlever les gars, je vais vous préciser, donc vous allez dans les paramètres, moi je parle pour la PS4 hein. Après je vous dirai peut-être pour la PS3, je pense que vous y arriverez aussi, de toute façon c'est à peu près pareil. Pour la PS4 vous allez dans les paramètres, après vous allez dans un truc des données là, vous allez dans formation du compte, un truc comme ça. En tout cas, je pourrais même pas vous dire où c'est qu'il faut aller, mais je crois que c'est dans les paramètres. Après, t'as un truc gestion du compte, gestion des transactions, un truc comme ça. Sur la PS3, je crois que c'est encore moins bien. Je crois qu'il faut aller dans gestion du compte. Après, vous allez dans gestion des transactions, pareil, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, cherchez vite, en tout cas, c'est urgent. Où se trouvent les informations de votre carte bleue si vous les avez enregistrées, et vous le supprimez les informations. Parce que sinon, les gens vont aller carrément soit vous voler des sous, soit voilà, ça peut vraiment partir très très loin. Donc le jour de Noël jusqu'à la rentrée, ne mettez surtout pas vos cartes bleues, enfin vos cartes bancaires en tout cas sur le PSN. Voilà. Par contre, voilà, il y aura peut-être aussi une action prévue de Anonymous qu'ils ont dit, vous pouvez rechercher sur YouTube message d'Anonymous à Lizard Squad ou un truc comme ça, ou... Et vous allez tomber tout de suite sur les premières vidéos, comme quoi ils vous expliqueront mieux que moi en tout cas, que en tout cas les Lizard Squad voulaient attaquer encore une fois le PSN le jour de Noël. Et après je crois que ça va continuer par la suite, comme ça, jusqu'à la fin des vacances. Donc ça se trouve on n'aura pas du PSN pendant toutes les vacances et tout, ça va vraiment nous dégoûter. Enfin voilà, on pourra même pas profiter de nos vacances. Et normalement le groupe Anonymous ont prévu de les empêcher, donc voilà, c'est, j'espère qu'ils vont réussir. Donc je sais pas où ça va en finir, ça se trouve voilà, ça va tout planter, on va plus avoir de PSN juste limite pendant 2 mois à cause de cette action là, je sais pas. En tout cas je remercie les Anonymous s'ils nous aident, en tout cas voilà, ce sera vraiment cool de leur part. Et les Lizard Squad, voilà, franchement voilà, je n'y dirai aucun mot, vous en pensez ce que vous en voulez. En tout cas moi ça va bien faire chier parce qu'on pourra plus jouer à la play, voilà. Heureusement que je vais prévoir beaucoup de gameplay à l'avance, vous aurez toujours des gameplay de moi sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Même si si je pourrais pas jouer au PC, enfin je pourrais pas jouer à la paye à AW pour vous rentrer des gameplays, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je peux vous en faire un par jour pendant 4 semaines, vous aurez toujours des DNA bombes et tout de fou. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc après, secondairement, je voulais aussi vous parler de la Union Family.
que je vous ai fait, enfin Jay vous a fait un petit commentaire hier sur ma chaîne sous un gameplay d'une DNA bombe au morse, il l'a pas précisé. Donc c'était même un 39JS je crois. Voilà, ça doit être ça. Non, un 49JS je crois. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a pas précisé. Et je voulais rajouter aussi qu'il avait dit qu'il avait une sorte de lien Pixul dans la description que j'ai oublié de mettre, que je vais vous mettre dans cette vidéo là, dans cette description de vidéo là. Et je vous dirais aussi que ah oui, d'abord le lien Pixul, si vous voulez, c'est genre c'est un sondage. C'est est-ce que vous voulez qu'on continue la UF, qu'on recommence de zéro. Et là un truc oui ou non, voilà. Donc vous répondez, là pas de virus, là, rien du tout. Pour le moment il doit avoir une quinzaine de votes, j'ai regardé, voire plus. Et 75% c'est oui. Donc voilà, vous pouvez rajouter si vous voulez un oui ou un non, de toute façon pour nous faire avancer. Et donc voilà, la chaîne de la Union qu'on a recommencé, qu'on a refaite, elle est dans ma subbox si vous voulez aller la voir. Donc voilà. Donc bon bah les gars, la vidéo va se terminer. Enfin, je sais pas si la vidéo, le gameplay va se terminer, mais en tout cas, mon commentaire il va se finir. Et donc voilà, je vous souhaite à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Demain matin 10h comme d'hab. Et donc voilà, allez les gars, peace! Take what is needed.